Salut les braves, bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est votre serviteur, le pasteur Jean-Marie Lessy. Et je suis très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné. C'est le soir des généraux ce soir. On est accompagné avec le général du Seigneur, l'homme de Dieu, mon ami, l'apôtre Kerok. Il est à mes côtés pour vous partager un message puissant ce soir, mes amis. Nous allons parler des 5 erreurs de Géasi, le serviteur d'Élisée. Beaucoup d'entre nous ont manqué l'onction. Beaucoup d'entre nous ont manqué des opportunités. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu suivre leur leader, le mentor qui les a conduits. Mon ami, tu n'as pas atteint ton élévation. Tout simplement parce que tu as lâché trop tôt la prise. Tu as lâché vite la prise. Tu n'es pas resté assez longtemps avec l'homme qui pouvait t'amener à l'élévation. Nous savons tous que Dieu est le Dieu de connexion. Quand je parle que Dieu est le Dieu de connexion, je vais d'abord, avant de commencer, saluer Jex de Bruxelles, l'homme par qui tout ceci est arrivé. Celui-là qui a mis tout possible, l'évangéliste, mon ami, l'évangéliste Alain Bia, l'homme de Bruxelles.
Jex de Bruxelles, que Dieu le comble, que Dieu le bénisse, que Dieu le comble pour tout ce qu'il est en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Merci évangéliste Jex, que le Seigneur te comble. Merci pour cette opportunité que tu mets au service des enfants de Dieu pour qu'ils puissent écouter le message de Dieu. Alors, nous saluons tous ceux qui nous écoutent ici à Paris, en France, Île-de-France, en province, à Bruxelles, Hollande, Écosse, un peu partout, même aux États-Unis, Canada, nos amis d'Ottawa et nos amis de Abidjan, c'est de Kinshasa, de Lusaka et un peu partout. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps des aigles, c'est le temps où on doit voler haut et que Dieu vous bénisse. Nous sommes assistés par nos assistants et assistantes qui sont derrière nous pour la prise de vie. Que Dieu vous bénisse. Merci à Kétia. Homme de Dieu, shalom papa. Shalom, le brave, shalom, man of God. Oh, God bless you, sister. Oh, le Seigneur, il est bon, le Seigneur est merveilleux. Merci Seigneur. Et je dis ce soir, le Seigneur, il nous aime beaucoup. Amen. Pourquoi Dieu nous aime? Parce qu'il nous a donné ce mercredi. Alléluia. Plusieurs sont morts, plusieurs ont croisé des accidents, mais tu me suis, tu es validé, il y a une grâce de Dieu sur toi. Et je te dis ce soir, tu es béni. Alléluia. Et cette bénédiction, ne soyez pas égoïste. Partagez au maximum cette vidéo. Invitez les amis, partagez dans deux groupes. Il y a une personne que le Seigneur a prévu de faire du bien ce soir. C'est pourquoi je vous dis, on va passer de moments très heureux dans la sainte présence de Dieu. Et sur ce, nous voulons élever d'abord notre voix de grâce à celui qui était, qui est et qui vient. Merci Seigneur. Elohim. Éternel Dieu Tout-Puissant, oh, Dieu de grâce. Merci Seigneur. Nous te sommes infiniment très reconnaissants. Alléluia. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Merci pour Seigneur. Pour tout ce que tu as prévu d'accomplir. Hosanna, papa. Et pour tout ce que tu as préparé pour tout un chacun d'entre nous. Oh, gloire. Que la nuée de ton esprit soit au milieu de nous. Merci Seigneur. Amène-nous, Seigneur Dieu, dans les hauteurs. Oui, dans Seigneur. Dans des montagnes très élevées de Alléluia. Fais-nous entrer, Seigneur, là où il y a de sauts. Oui. Que plusieurs échappent les clés. Alléluia. Donne-nous les clés pour venir et éclairer ton peuple. Merci, illuminer Seigneur. L'esprit des enfants du royaume. Merci, c'est Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus que nous te toi. Bénissons et nous mettons hors de ta de nuit merci, toute force Seigneur. Contraire à la tienne. Oui. Tout ce qui viendra faire opposition, oui. Tout ce qui viendra pour déranger ces moments. Alléluia. Seigneur, nous voulons que tu sois au contrôle. Merci, du début Seigneur. Jusqu'à la fin, nous voulons que tu règnes en roi. Alléluia. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous Dieu. T'avons ainsi prié. Alléluia. Et nous te disons amen. Amen, 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 gloire amen. Oh, gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous regardez, soyez le bienvenu parmi nous. C'est un moment privilégié, c'est un moment de grâce que Dieu nous accorde. Les serviteurs de Dieu, à partir de Bruxelles, ils ont pensé que c'est une bénédiction qu'on puisse se réunir pour vous apporter ce message. Et nous sommes heureux d'être avec vous dans cet endroit majestueux, yes. Magnifique. Je veux juste demander à notre caméraman de faire un petit tour, de voir la vision que nous on a. Mes amis, on est à la retraite. On est en pleine forêt. On est vraiment en pleine forêt. Et va couper le son pendant quelques secondes. Vous allez vous amener vers la fenêtre. Voyez notre vision, ce qu'on voit ensemble. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, mon apôtre, voilà. je suis très, très ravi de vous accueillir ce soir. Alléluia. En quelque sorte, nous sommes tous les deux invités de l'évangéliste Alain. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, nous allons apporter quelque chose d'écran. Alléluia.
nous allons nous adresser aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à ceux qui animent les codim comme nos servantes qui sont derrière, qui sont les monitrices de les codim. Nous allons parler aux évangélistes, aux pasteurs, aux apôtres, et aux docteurs, à tous ceux qui sont élevés. Nous allons parler. Et la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous voyons qu'il y a des oies et des oiseaux qui chantent avec nous à l'extérieur. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Yes. Alors, apôtre, je vous laisse la parole pour introduire sur les cinq erreurs de Géasi, le serviteur d'Élisée. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marie Lessicéphas. Je bénis Dieu et je bénis, laissez-moi apprécier la vie de cet homme évangéliste Alain pour cette opportunité, ce miroir Amen. Que tu nous as donné pour que nous puissions refléter gloire la au Seigneur. Gloire Alléluia. Cachée de Dieu Alléluia. Qui est en nous. Oh, gloire Vraiment au que Seigneur. Le Seigneur arrose toi et toute ta famille Amen. Et que tu rentres dans ta saison. Oh, gloire parce au Seigneur. Nous sommes dans sa saison. Je bénis encore Dieu parce que ces messages... On va le parler au mois d'août. C'est le 8e mois. Et le 8e mois, souvenez-vous très bien, lorsque Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, il est arrivé, il devait oindre quelqu'un à qui Dieu a pointé du haut du ciel comme roi. Mais lorsqu'il arrive, il trouve sept braves hommes à l'intérieur de la maison avec une très belle carrure. Et c'était à ce moment où Samuel n'a pas trouvé exactement le roi, mais il a fallu qu'il y ait un huitième fils. Il s'appelait David. Il était caché derrière le pâturage. Et c'est alors que David accède au trône. C'est-à-dire le chiffre 8, c'est toujours un chiffre très merveilleux. Amen. Et tout mâle en Israël, il devait être circoncis le 8e jour. Hallelujah. Et le 8e jour, c'est aussi l'image d'Abraham. Parce qu'Abraham a eu la femme, a eu l'enfant avec Agar. Il a eu le fils de la promesse avec Sarah, mais il a eu encore 6 fils avec Keturah, qui fait en gros 8 enfants. Le 8, je vois encore la sortie de l'arche où Noé sortit avec le 8 personnes, qui était même l'image. Et le 8, ça me rappelle encore le 80 ans de Moïse, il devait retourner en Égypte comme libérateur. Ah, oui. Et je vois encore le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité, c'est-à-dire l'absence du temps. Et je suis en train de bénir le Seigneur. Mais laissez-nous lire cette portion de l'Écriture. Nous sommes dans les livres de 2 Rois, chapitre 4. Oui. Et nous allons commencer à partir du verset 8e. Et nous allons les lire jusqu'au verset 14. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui la pressa d'accepter à manger. Dès lors, toute le fois qu'il passait, il s'est retiré chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier pour qu'il s'y retire. » quand il viendra chez nous. Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et il s'y coucha. Il dit à son jeune serviteur, Géasi, appelle cette tsunamite. Oui. Géasi l'appela et s'éteint devant lui. Élisée lui dit, Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Amen. Faut-il parler pour toi au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur le 5 erreurs de Géasi, serviteur d'Élisée. Déjà d'entre eux, vous devez savoir qui est d'abord Élisée et qui est Géasi. Élisée, c'était un prophète majeur, lui qui succéda Élie. Après que Élie eut monté et il a laissé le manteau à Élisée. Et Élisée avait aussi à ses côtés son jeune serviteur
qu'on appelait Géasi. Mmh. Et Géasi, il était attaché à Élisée. Il était ce qu'on appelait le fils de prophète. Mmh. Il apprenait auprès d'Élisée et Élisée était son père. Élisée était son mentor. Élisée était son coach. Mmh. Et c'est alors que Élisée est rentré dans la ville de Sunem. Et lorsqu'il arrive dans la ville, la Bible dit qu'une femme l'aperçut et l'invita, la pressa même à manger ses ailes. Pour dire quoi? Pour dire que, vous savez, si tu as l'œil, tu peux voir qui est un serviteur de Dieu. Mmh. Tu peux trouver un bon parmi le millier. Aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui sont en train de discréditer les hommes de Dieu, qui désacralisent le sacré qui habite à ces hommes-là. Mais cette femme avait l'œil prophétique pour pouvoir voir qui était Élisée. Mmh. Et je suis venu encourager une femme. Je suis venu encourager un homme. Toi qui as l'habitude de pouvoir honorer les hommes de Dieu, de pouvoir apprécier la grâce qui est dans la vie d'un homme de Dieu, tu es béni. Parce que cette femme, personne ne l'a poussée. Élisée n'a pas fait un appel de force, mais la femme a vu. Et il témoigne, elle témoigne même Élisée auprès de son mari en disant que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Amen. Et j'étais en train de me poser la question, si les gens de Bethel avaient écouté cette femme, qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Parce qu'à Bethel, Élisée est considéré comme un criminel. Parce qu'il y a 42 enfants qui ont été bouffés par les deux ours. Et lorsqu'on parle de 42 enfants, on est en train de voir 84 parents. Papa et maman, et sans compter le cousin, le neveu, le frère et soeur. C'est-à-dire dans la contrée de Bethel, dans la ville de Bethel, Élisée n'était pas aperçu comme étant un saint homme de Dieu. Parce qu'on se disait aujourd'hui, si on a perdu notre fils, si on a perdu nos enfants, c'est à cause de cet homme. Mais la femme tsunamite, elle n'a pas regardé ce que les autres regardaient. Elle a vu dans l'œil prophétique que mon miracle se cache dans la vie de cet homme. Alléluia. Et elle honora cet homme. C'est pourquoi la Bible dit, vous regarderez le sacrificateur comme étant saint. Et il sera saint pour vous. Oui. Bien-aimé, dans le Seigneur, le problème est dans ce que tu vois. Parce qu'il y a une différence entre regarder et voir. L'homme regarde, mais Dieu voit. Lorsqu'on regarde, on ne peut même pas voir. Mais lorsqu'on voit, on scrute l'intérieur, l'extérieur, et on sonde même le cœur et le rein en faisant l'intérim de Dieu. Mais là n'est pas trop mon problème. Mon problème est où? Lorsque la femme manifesta toute cette générosité, alors que le prophète lui a invité, il n'a même pas vu parce que papa, le prophète Élisée avait l'habitude de ne pas rencontrer les gens, mais sa voix pouvait atteindre et produire un miracle. Et la Bible dit qu'elle dit à la femme, je vis tout ce que tu as fait, c'est très merveilleux. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Je parle à ton sujet au chef de l'armée, il dit, je vis bien au milieu de mon peuple. Parce que c'était une femme de haut rang. Et c'est Géasi maintenant, papa, qui vient dire au prophète que cette femme que tu vois, elle est... elle n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux, avancé en âge. Donc pour dire quoi, Géasi c'est le type de serviteur. Lorsqu'il arrive quelque part, lui il doit d'abord scruter, chercher, sonder. Les informations. C'est quelqu'un de très intelligent. Voilà. Et c'est exactement comme son homologue dans le Nouveau Testament, Judas Iscariote. Voilà. Parce que quand on parle de Judas Iscariote, apôtre, beaucoup de gens pensent que Judas Iscariote, c'était un crétin, un stupide, un idiot. Loin de là. Voilà. Si Judas Iscariote parle avec le souverain sacrificateur Caïphe, il avait des entrées au palais d'Hérode, c'est que c'était quelqu'un de brillant. C'était au jour d'aujourd'hui, comment on peut dire, c'était quelqu'un qui faisait du lobbying. Il avait son groupe de lobby. Voilà. Donc il était brillant, il connaissait les choses, il avait... Mais le problème, il était trop charnel. Voilà. Ça, c'est maintenant le grand point. Voilà. Parce que lorsque quelqu'un est charnel, il s'occupe de tout ce qui est terrestre. Voilà. Il s'occupe de tout ce qui est matériel. Tout à fait. Il s'occupe de tout ce qui concerne la vie des gens. Voilà. Alors que Dieu n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe dans ta vie, mais si Dieu décide dans sa souveraineté pour te faire du bien, pour te parler, pour te communiquer la grâce, il le fait tout bonnement. Mais
Gehazi, c'est quelqu'un qui s'est fouillé, fouillé même les informations. Mmh. Et ça, c'est une erreur. Mmh. Par rapport à un homme de Dieu, par rapport à un roi. N'oubliez pas, mes amis, on parle de cinq erreurs. Cinq erreurs. De Gehazi, serviteur d'Élisée. Alléluia. Élisée, homme de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire cinq que erreurs. Dieu, dans son amour, lorsqu'il appelle quelqu'un, et lorsque quelqu'un est appelé de Dieu, ou quelqu'un qui sert Dieu, ou tu sers Dieu auprès d'un roi, auprès d'un père, auprès d'un mentor, auprès de ton église, bien-aimé dans le Seigneur, reste focus dans tout ce qui est spirituel. Amen. Ne soyez pas quelqu'un qui va aller fouiner. Ne soyez pas quelqu'un qui va aller chercher des informations. Parce que ça peut aider ce que tu fais, mais il n'y aura pas un impact spirituel. Parce que la grandeur de Dieu... Ça, c'est la première erreur. Ça, c'est la première erreur. Voilà, parce que la grandeur de Dieu, c'est l'omniscience. Trop charnel. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il a mangé, quoi ce matin. Il a fait quoi. Voilà. C'est faux problème dans l'église des Congolais. Petit problème. Nos églises c'est dispersé. Il y a des divisions dans nos églises pour de petits problèmes yes. et des faux problèmes. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous qui venez de nous rejoindre, salut, on vous salue encore. Vous êtes sur le plateau de Salut les Braves. Salut les Braves. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes aujourd'hui dans une émission spéciale qui est diffusée par l'évangéliste Alain Biya à partir de Bruxelles. Yes. Pour Welcome Home Ministry. Et que Dieu vous bénisse. Et là, ce soir, on est en train de parler des cinq erreurs de Gehazi, le serviteur de Élisée. Première erreur, il fouinait beaucoup. Il voulait trop connaître. Il voulait trop connaître. Et c'est cette espèce-là aujourd'hui qu'on est en train d'appeler le CD. C'est-à-dire, tu verras un homme de Dieu, un prophète, mais il place des gens pour qu'on lui ramène des informations. C'est-à-dire, il ne parle pas de choses que Dieu lui a inspirées. Il ne parle pas de choses qui viennent tout droit de Dieu. Mais lui, il ramène des informations qu'il a collectées au sujet d'une personne. C'est pourquoi Élisée, il était un appelé. Mais Gehazi a voulu conduire son père sur des CD, sur des informations. Regardez ceci, regardez cela. Un véritable homme de Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu décide de parler, il n'a pas besoin de que personne lui passe une information. Parce que c'est Dieu-là a la capacité de voir une fourmi noire dans le noir et sous un caillou noir. Amen. Ça, c'est la première erreur. Tu ne dois pas être charnel. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons compris cela. Premier point, première erreur de Gehazi, c'est qu'il était trop charnel. Trop charnel. Il n'a pas compris quelle était sa mission. Yes. Il est resté charnel, basique, c'est-à-dire aller fouiner, chercher des informations, savoir qui est qui, voilà. qui fait quoi. Mes amis, c'est pas ce temps-là. Élisée était un homme de Dieu. Yes. Voyez-vous la question d'Élisée? Je veux rebondir là-dessus. Oh, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, serviteurs de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je veux dire ceci. Regardez la question d'Élisée. Élisée pose une question. Femme, veux-tu que je parle de toi auprès du roi? C'était la question d'Élisée, le prophète. Yes. Est-ce qu'il s'est trompé? Il ne s'est pas trompé. Mm-hmm. Je vais vous montrer plus tard. Ce qui est arrivé dans la vie de cette femme. Yes. Élisée lui pose la question en disant, femme, là c'est juste une parenthèse. Il dit, femme, veux-tu que je parle de toi auprès du général, auprès du roi? Il dit, non, moi je vis au milieu de mon peuple. Voilà. C'est évident, c'était une duchesse, c'était une femme élevée. Son mari était riche, son mari possédait beaucoup de biens et de serviteurs. Il dit, non, pas besoin d'aller parler auprès du roi parce que je vis au milieu de mon peuple. Alléluia. Vous savez ce que ça signifie? Je vis au milieu de mon peuple. C'est que quand le roi fait une fête, je suis convié. Quand le château invite, je suis convié. Alléluia. Pas besoin. Oh oui, elle dit pas besoin de m'introduire auprès du roi. Mais c'est qu'elle oublie que quelques années plus tard, quand elle va avoir l'enfant de promesse qui va arriver, la sécheresse va arriver. Et cette femme va aller en exil. À son retour, elle aura besoin de quelqu'un pour introduire auprès du roi. Alléluia. Mais ça, on verra ça plus tard. Gloire au Seigneur. Alors, deuxième erreur, c'est quoi, mon roi? Deuxième erreur, on va le lire.
La Bible dit, nous sommes toujours au chapitre 4 du deuxième livre du roi. Et là maintenant, nous allons commencer au verset 23e. Il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni une nouvelle ligne, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche et m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Oh, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a cachée, elle ne m'a pas averti. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez, cette femme que l'homme de Dieu avait dit que dans la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils, cela s'est accompli selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Et ce jeune homme, l'enfant est arrivé et l'enfant commençait à grandir. Et à un moment donné, l'enfant a eu mal à la tête. Et elle disait à sa maman que j'ai mal à la tête. Au moment où on cherchait qu'est-ce qu'on peut lui donner de Doliprane, qu'est-ce qu'on peut chercher de Novalgine, c'était à ce moment-là que l'enfant expira. L'enfant est mort. Mais la femme a dit non. Je connais la source de l'enfant. Vous savez, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse, je la fermerai de suite. Papa, vous savez, lorsqu'on connaît l'élévation que j'ai, la bénédiction que j'ai, le miracle, les enfants, le matériel, le travail, tout ce que j'ai de gloire. Si tu connais la source, peu importe si les choses se capotent, tu retourneras à la source. Ah ben bien sûr. Mais la plupart des gens, comme ils savent qu'ils ne connaissent même pas la source de leur miracle, de leur élévation, de leur promotion, ils vont aller embrasser tout le monde. Mais quelqu'un qui maîtrise que ce que j'ai, je le récite de Dieu. Si ça ne marche pas, je retournerai à Dieu. C'est ce que j'ai appelé l'autre fois les services après-vente de Dieu. Alléluia. Quand vous achetez un téléphone iPhone, je ne sais pas, Samsung, vous achetez un téléphone, vous achetez une télé, et que cette télé ou ce téléphone tombe en panne, vous faites quoi? Vous n'allez pas rester dans votre maison et prier en langue. Même si vous avez la foi, vous n'allez pas prier en langue devant votre téléphone. Non! Yes. Vous allez prendre tout simplement votre téléphone, vous allez le ramener là où vous l'avez acheté. Parce qu'au prix où on nous vend ces trucs-là, il y a un service après-vente qui doit assurer ces téléphones-là. Mes amis, si l'homme peut assurer un service après-vente, et Dieu alors, à combien plus fort? Alors Dieu, alléluia, il est lui-même son service après-vente. Alléluia. Voilà pourquoi la femme se dit, cet enfant, je n'ai rien demandé. Alléluia. C'est la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Alors je vais aller voir l'homme de Dieu. Papa, vous savez encore une octave que nous pouvons monter sur cet enfant. Allez-y papa, monte. Vous savez, lorsque la femme se présentant devant le prophète, il y avait un handicap, c'est-à-dire le mari, le porteur de la sémence, était plus âgé, était avancé en âge, était vieux. C'est-à-dire la sémence de l'homme, du mari, ne pouvait plus féconder la femme. Quoique la femme pouvait arriver dans sa période d'ovulation, mais il n'y avait aucune sémence qui pouvait donner vie. Mais la vie est venue au son de voix du prophète Élisée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que le Pâques ne peut pas te donner, le son de la voix d'un prophète, le son de la voix d'un homme de Dieu, faites la connaître. C'est que les humains, c'est que la connexion, c'est que les humains ne peuvent pas te donner. Je crois que la voix de l'homme de Dieu, le son de la voix de l'homme de Dieu, c'est comme une trompette. Il peut t'amener jusqu'au bon port. Papa, la Bible me dit ceci. Carabosché. Que Élisée passait chaque année, chaque temps, en saison, dans cette maison. Voilà. Montez dans la chambre haute. Mais cette femme était toujours stérile. Yes. Et voilà qu'un jour, elle appelle la femme. Dieu, Géasi lui dit, elle est stérile.
Madame, l'année prochaine, en cette même période, dit l'homme de Dieu, tu porteras un enfant. Collaboré. Sans gymnastique. Mm. Sans se tourner par terre. Mm. Sans imposer 40 jours de jeûne et prière à cette femme. Mm. Mais juste une seule parole. Selon la parole de l'homme de Dieu. Mm. Tu veux me dire que l'enfant de cette femme était que là dans la bouche de l'homme de Dieu? Mm. Il passait, il revenait, l'enfant était dans sa bouche. Mm. C'est pour cela qu'il faut saisir. Quand l'homme de Dieu prophétise dans ta vie. Alléluia. Quand l'homme de Dieu parle sur toi. Mm. Il faut saisir le temps et la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Pour ton miracle. Voilà pourquoi je salue papa Joseph Lokoumou, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et saisis ton miracle. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis maman Nadia Agua, saisis ton miracle. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis maman Nicole Lessing, saisis ton miracle. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis le bishop Kadima Witch à Bruxelles, l'homme, l'écrivain, l'homme de l'église. Alléluia. Merci. Que Dieu te bénisse et le frère de Paul, c'est ton temps. Alléluia. Écoute les révélations qui sortent de la bouche des hommes de Dieu. Alléluia. Quand on dit que c'est ton temps, frère de Paul, c'est ton temps. Mm. Dieu est en train de t'élever. Alléluia. Barak Ngongo, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est ton temps aussi. Alléluia. Que Dieu t'élève. Gloire au Seigneur. Écoutez, je ferme cette parenthèse. Mm. Nous allons aller chercher la deuxième erreur. Deuxième erreur, oui. Et la Bible dit que lorsque cette femme a compris que l'enfant est mort, mm. c'est que je bénis encore Dieu, c'est l'attitude que possédait la femme. Mm. La femme, son mari lui pose la question, pourquoi tu me demandes que je puisse atteler la naissance? Il dit tout va bien. Est-ce qu'à la maison, il dit tout va bien? Tout pendant va qu'elle bien. Disait ces choses, mm. il y avait un cadavre dans la chambre. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Oh, vous savez, ton miracle dépend de ton attitude. Mm. Ce que tu peux recevoir de Dieu ne dépend pas de tes pleurs. Parce que quand tu pleures, quand tu t'es soucié, la Bible dit aucune personne ne peut ajouter une coudée dans ses âges à cause de ses soucis. Bien à cause de ses lamentations. Tu risques l'AVC. Tu risques même de maladies de cœur. De cœur, de faire l'AVC et de mourir vite. Et de mourir les trop soucis, vite. Les soucis ça de ta vie. La vie. Vous savez, quand j'étais... Apôtre, je vais vous dire un truc. Quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, il y a un vieux de mon quartier qui nous disait quelque chose. Mm. Il disait toujours, écoutez Jean-Marie, le problème n'a jamais tué quelqu'un. Yes. J'ai jamais compris cela. Il me dit, le problème ne tue pas. Yes. Il dit, l'homme, quand il meurt de ses propres problèmes, c'est parce qu'il est stupide. Yes. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Solution. La maladie peut te tuer. Mm. Mais le problème n'est pas fait pour te tuer. Le Alléluia. Problème a toujours une solution. Alléluia. Et pour ton problème, je vais te dire, je vais dire à quelqu'un ce soir, mm. hein, vous les braves, il y a une solution. Il y a une Et solution. Au nom de Jésus. Alors papa, deuxième erreur. Et la deuxième erreur, c'est quoi? Oui. Lorsque la femme a compris ces choses, elle arrive chez le prophète. Mm. Et lorsqu'elle arrive chez le prophète, la première personne à percevoir la femme, c'était le prophète. Mm. Alors que la personne qui était dans le premier plan mm. pour voir tout ce qui peut arriver autour du prophète, c'est Géasi. Mm. Mais Géasi était distrait. Géasi était distrait, trop de connexions. Trop de connexions. Lui cherche par où je vais trouver l'argent. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça me rappelle qui? Ça me rappelle toujours Judas Iscariote. Voilà. Judas Iscariote, vous savez, les hommes, hein, mes amis, faites attention, parce que il y a une différence entre ce que les gens pensent et ce que les gens disent. Yes. Quelqu'un peut te dire qu'il t'aime, mais dans son cœur, il t'aime pas. Alléluia. Quelqu'un peut dire que je te soutiens dans ma prière, mais dans son cœur, il dit, c'est bien fait pour toi. Voilà. Voilà pourquoi il faut faire attention quand les gens te disent, oh, j'ai entendu que t'as des problèmes, je te soutiens dans ma prière. Pourquoi tu me soutiens? Voilà. Hein? Il y a beaucoup de gens qui aiment dire ça. Tu as des problèmes, je te soutiens. Mm. Mais quand tu as des bénédictions, tu es heureux. Regarde, Judas Iscariote, lorsque Marie vient répandre le parfum de nard mm. au pied du Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Mm. Il s'indigne en disant, oh, à quoi bon cette perte? Voilà. On pouvait vendre le parfum pour 300 deniers. Regarde, il va le vendre où pour 300 deniers? Mm. Vous savez, 300 deniers signifie quoi? Voilà. Je vais vous dire. À l'époque d'Alexandre le Grand, mes amis, un mercenaire qui travaillait, qui allait combattre, gagnait un denier par jour. Voilà. Et ce parfum-là valait 300 deniers, c'est-à-dire le salaire de 300 jours. Bon, comment toi tu vas faire pour aller vendre un jour un parfum qui coûte 300 deniers? Il suffit de calculer notre salaire wage minimum. Notre salaire minimum aujourd'hui, c'est combien? On va être entre 70 et 80 euros par jour de travail.
Alors faites cela multiplié par 300. Mmh. Donc, Judas Iscariote avait même des entrées au marché, aux puces de Montreuil, voilà. Au marché aux puces de Port de Clignancourt. Voilà. Donc il savait que si on lui donnait ça, il allait le fourguer à ses gros commissionnaires. Voilà, donc il allait le vendre pour 300 deniers, tout de suite il a l'argent. Ah oh. Voleur. Alléluia. Il ne disait pas ça parce qu'il était en peine de toi, mon frère. Voilà. Il disait ça parce qu'il était voleur. Il volait tout ce qu'on lui donnait. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Deuxième erreur. Deuxième erreur, oui. C'est de la distraction. Voilà. Vous savez, lorsque tu es auprès d'un homme de Dieu, lorsque tu travailles dans la cour de l'homme de Dieu, la première de choses, tu dois être le premier intercesseur. Amen. Tu dois être le premier voyant. Amen. Tu dois voir les choses arriver. Amen. Les choses ne doivent jamais te surprendre. Anticiper. C'est-à-dire anticiper les choses. C'est ça même, cette habilité que doit posséder quelqu'un qui est à côté de l'homme de Dieu. Voilà. Mais au lieu que lui voie, mais lui n'a pas vu. Alors que de l'autre côté, c'est lui qui connaissait que cette femme n'a pas d'enfant. Son mari est avancé en âge. Voilà. Mais au lieu de voir maintenant le comment venait la femme, voilà. Lui n'a pas vu. Lui, il est que dans les choses terrestres. Voilà. Bien aimé, dans le Seigneur, c'était la distraction. Et plusieurs personnes, aujourd'hui, ils sont distraits dans beaucoup de domaines. Bien aimé, c'est le temps pour toi de chercher l'Éternel. Alléluia. C'est le temps pour toi d'élever encore le niveau de ta prière. C'est le temps pour toi d'élever encore le niveau de sacrifice. Parce que la Bible dit, celui qui cherche l'Éternel, le Seigneur se laissera trouver. La distraction chronique aux choses de Dieu. Yes. Vous voyez les jeunes, vous voyez les enfants, vous voyez les gens passer 10 heures devant Netflix. Pour regarder des séries et des séries, des séries et des séries. Mais quand vous parlez de la Bible, restez concentré une demi-heure, c'est comme si on lui a fait, il est en punition. Yes. C'est la distraction chronique aux choses de Dieu. Allez. Mon ami, tu ne peux pas être grand, tu ne peux pas devenir grand si tu es distrait dans ta vie. Ô homme de Dieu, serviteur de Dieu et enfant de Dieu, il est temps pour nous de nous élever, de passer de cette étape de distraction pour être dans le concret. Alléluia. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Tu sais, papa, il y avait un homme auprès de Élie. C'était cet homme de Élisée. Élisée était avec Élie. Depuis Gilgal, il devait faire la marche jusqu'à arriver au l'autre côté du Jordan. Parce que c'est là où Élie devait être enlevé. Ouais. Mais depuis Gilgal, il savait. Oh. Et tous les fils de prophètes qui étaient à côté savaient. Quand il lui disait, tu sais qu'aujourd'hui ton maître s'est enlevé. Il dit, taisez-vous. Pourquoi? Parce qu'il voulait rester concentré. Voilà. Il ne voulait pas être distrait parce que les gens vont dire. Ne me ramenez pas vos histoires. Voilà. Tu n'as pas entendu. Ne fais pas introduire ils ont le dit. Coloquette sauvage dans mon voilà, plan. Voilà. Ils ont dit. Ils ont fait ça. Ta vie est telle. On a entendu parler. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus trop fragiles. Yes. Les chrétiens entendent beaucoup. Yes. J'ai entendu parler. J'ai entendu dire. Mon ami, ne sois pas distrait. Concentre-toi. Papa, oui, bien le comme ça, Angaya, je vais te dire une chose. Quand tu viens à l'église, dis-moi, tu viens à l'église pour te faire des amis ou tu viens pour chercher Dieu? Regardez-moi ça. Hein? Les enfants de Dieu, quand vous venez à l'église, c'est pour vous faire des amitiés? Il y a des sites de rencontres comme Mythique et tout ça. Allez vous faire des rencontres. L'église n'est pas un lieu de rencontre. Tu ne viens pas à l'église pour te faire des amitiés. Tu viens à l'église pour chercher la face de Dieu. Quand Anna est venue à l'église pleurer devant Dieu et que le souverain sacrificateur, le sacrificateur Élie est sorti, est-ce qu'elle était dans la distraction? Elle était en train de prier Dieu parce qu'elle cherchait son enfant. Ne perds pas de vue ce que tu es venu chercher. Alléluia. La distraction. Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre que le monde est arrivé jusqu'à l'église. Parce que les gens sont distraits. Les gens, ils veulent des choses spectaculaires. Voilà. Alors que notre Dieu n'est pas dans le spectacle. Voilà. Notre Dieu est dans le vrai. Elle est vraie. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de grimaces. Dieu n'a pas besoin que les gens le vantent. Non, 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 non. On peut pas marchander, commercialiser Dieu. Dieu, il reste Dieu. Il est Dieu. Et il est Dieu. Il est C'est Dieu. Pourquoi vous allez remarquer que Élisée, il n'a pas vu
comment cette femme arrivait. Mmh. Et lorsque la femme arrive auprès de pied de l'homme de Dieu, pour dire que ce que j'ai, je le reçois de toi, il retourne dans les pieds. C'est là où, pour comprendre que Géasi est un homme distrait, il veut le repousser. Mmh. Alors que dans les pieds, il y a un mystère, papa. Mais moi, je pense qu'il veut le repousser. Je suis sûr que Géasi, cette femme-là, a aussi mis c'est moi, Mike, Mike. Moussa, il est en colo, hein, Moussa, les oies. Voilà. Et maintenant qu'il veut parler à Élisée, il dit non, 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 il faut que je sois là. Voilà. Oh, pourquoi tu veux être l'obstacle entre moi et l'homme de Dieu? Alléluia. Hein? Dans beaucoup des églises, on voit des serviteurs comme ça. Soi-disant des secrétaires. Non, 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 non. Tu ne vas pas voir l'homme de Dieu maintenant. Voilà. Il faut que tu attends d'abord. Voilà, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'était une grosse erreur qui tournait dans la vie de cet homme de Géasi. Voilà, obstacle. Il veut faire obstacle. Yes. Tu ne vas pas faire obstacle entre l'homme de Dieu et ceux qui écoutent la parole. Oh, yes. Ne sois pas l'obstacle, mon frère. Tu vas être maudit pour lui. Oh, yes. Ne sois pas l'obstacle. C'est voilà. Vrai en plus. Oui. Et l'homme de Dieu lui dit... Laissez cette femme-là de l'amertume. Ouais. Toi, tu es distrait, tu ne peux pas voir le chose spirituel. Voilà. Je ne sais pas, moi, Dieu me l'a caché, mais je sens voilà. La souffrance. Il a de l'amertume je dans son cœur. Je sens l'amertume dans son cœur. Mais toi, tu ne peux pas voir. Pour toi, c'est que de choses visibles. Oh. Oh, j'ai vu. On a donné un homme de Dieu cette voiture. Oh. Ah, j'ai vu cette femme-là. C'est elle qui soutient l'homme ah, de Dieu. Je vis cet homme-là. C'est que de la distraction. Que la distraction. Et la distraction, c'est un élément qui ne fait pas grandir. Voilà. Et la distraction, c'est un élément qui fera que la chose précieuse auprès de qui tu y es assis, tu n'obtiendras pas. Voilà. Mais il y a encore une troisième erreur. Ouais. Là, la troisième erreur, nous sommes dans les livres toujours de Deux Rois, chapitre 4. Ouais. Mais nous allons commencer au verset 38 pour une meilleure compréhension. Élisée revint à Gilgal, or il y avait là une famine dans le pays. Oui. Comme le fils de prophète était assis devant lui, il dit à son jeune serviteur, prépare la grande marmite et fais cuire de potage pour le fils de prophète. Oui. L'un d'eux sortit dans la campagne pour ramasser de légumes, il trouva une vigne sauvage. Il ramassa le colocade sauvage, plein de sous-vêtements. Quand il rentra, il le coupa en morceaux dans la marmite du potage. Car on ne savait pas ce qui c'était. On servit à manger ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent. La mort est dans la marmite, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine et en jetez dans la marmite. Et dit, serre ces gens qu'ils mangent et il n'y avait plus de mauvais dans la marmite. Amen. Écoutez papa. Le fils de prophète, c'était des écoliers qui étaient auprès du prophète pour apprendre. Évidemment. Et la plupart de fils de prophète, papa, c'était et qui recevaient aussi d'autres choses. Ils voyaient de choses arriver, mais ils pouvaient d'abord discuter avec le prophète majeur. Amen. C'est-à-dire, quand tu es fils et que le Seigneur te fait voir des choses, tu dois rentrer en contact avec ton père. Parce que c'est ton père qui maîtrise le mene mene tekel. Ouais, c'est ton père qui a le code. Allez, c'est lui qui sait comment t'orienter. Bravo. Et souvenez-vous très bien que lorsque Samuel dormait encore dans la maison et que le Seigneur pouvait lui parler, mais lui, il entendait la voix du souverain sacrificateur, voilà. Eli. Au fait, la voix de Dieu s'identifie à la voix du roi. Ça, c'est un problème aussi aujourd'hui, homme de Dieu. Mmh. Voyez-vous, nos enfants, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement liés à vos téléphones, à Facebook, YouTube, et à vos applications, Instagram, Twitter, à tel point que par jour, vous pouvez consulter 100 fois votre téléphone. Vous écoutez plus la voix de votre téléphone que la voix de Dieu. Ainsi, quand Dieu vous parle, parfois, vous n'êtes pas connecté. Alléluia. Vous ne pouvez pas reconnaître la voix de Dieu parce que vous êtes toujours dans la distraction. Mais là, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous dis, salut les braves. Salut les braves. Et bienvenue parmi nous. Alléluia. Je suis ensemble avec l'apôtre Kérok. Et nous sommes en train de parler des 5 erreurs de Géasi, serviteur d'Élisée. Homme de Dieu, parce que Géasi n'était pas homme de Dieu, il n'était que serviteur de Élisée. Alors, écoutez mes amis, on a parlé de charnel, il est son premier erreur. La première erreur de Géasi, c'est qu'il était trop charnel, terre à terre. Deuxième erreur, c'est la distraction. Et là, c'est la troisième erreur qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que il n'a pas anticipé que la mort était rentrée dans
la marmite, alors que c'est lui qui était chargé de préparer la nourriture. Mais il y a un élément qui lui a échappé, c'était la voyance. Voilà. Tu ne peux pas te promener avec un voyant si tu es aveugle. Voilà. C'est-à-dire, lorsque tu es à côté d'un prophète, le prophète, il est quelqu'un comme un lépreux. Tu ne peux pas rester à côté de prophète sans que tu deviennes prophète. Voilà. C'est impossible. Au fait, c'est parmi le ministère contagieux. Mais c'est ce que, c'est ce que Samuel a dit à ce, au roi Saül, avant qu'il soit roi. Il dit, quand tu vas me quitter aujourd'hui, tu rencontreras une troupe de prophètes qui prophétisent entre eux. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras changé à un autre homme et tu prophétiseras avec eux. À tel point qu'il a commencé à prophétiser. Les gens, ils ont dit, depuis quand ce Saül, fils de qui s'est-il parmi les fils des prophètes? C'est-à-dire, c'est ton temps aujourd'hui, mon ami. Alléluia. Il faut que tu parles le langage des grands. Parce que tu côtoies des grands. Amen. Ne reste pas terre à terre. Amen. Ne reste pas avec une vision terre à terre. Amen. Tu parles avec des hommes que Dieu a élevés. Oh, yes. Il est temps pour toi de concevoir ces choses, de comprendre ces choses, de saisir ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, lorsque tu es lié à un homme roi, lorsque ta vie est accrochée à un homme de Dieu, tu dois développer ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Amen. Et la sensibilité spirituelle amène l'homme à voir comme voit son père, à développer comme développe son père, à avoir le son de trompette comme fait son père. Mais Géasi en manquait. Géasi, au lieu de comprendre que c'est moi qu'on a chargé de m'occuper de la marmite, mais un intrus est rentré dans la marmite alors que moi je ne vois pas, moi je comprends pas, alors que la mort est rentrée. Mais si cet homme-là était debout, il pouvait empêcher la mort de rentrer. Même s'il y avait la mort, lui devait voir en premier comme son père a vu à Samarie. Alors, serviteur de Dieu, vous qui êtes à côté des hommes de Dieu, il faut éviter qu'il y ait des coloquins sauvages dans nos églises. Yes. Coloquins sauvages avaient la forme d'un fumbo. Ils l'ont coupé à morceaux, ils ont mis. Voilà. Le problème, même le gamin qui a ramené le coloquins sauvage ne savait pas. Il a juste ramassé en disant, c'est beau, on va les couper, on va manger. Mais on ne peut pas manger n'importe quoi. Yes. Il y a de la nourriture faites pour les bêtes et la nourriture pour les êtres humains. Yes. Eux, ils ont, c'est des ruminants, par exemple. Des vaches, c'est des ruminants. Ils peuvent astiquer, mastiquer des trucs et les cacher dans des poches. Ils ont quatre estomacs. Ils les cachent et l'air acide peut brûler cela. Mais toi, un homme, tu n'as que un seul estomac. Alors, fais attention à ce que tu vas digérer. Ce que tu vas mettre dans ton cœur. C'est ainsi aussi de l'Église. Voilà pourquoi il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Mon frère, ma sœur, veille sur ta vie. Veille sur ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans ta bouche. Tu ne sais pas les conséquences que cela va avoir dans tes entrailles. Yes. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tes entrailles vont être bousillées. Oh, yes. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tu vas souffrir. Ils ont crié, oh, la mort est dans les pots. Tout simplement, il n'y avait pas de clairvoyance. Yes. Que Dieu, aujourd'hui, je fais la prière de Dieu. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Yes. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est que Paul a dit aux Éphésiens, quand j'ai entendu parler de votre foi, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. T'es pas au courant? Ton cœur a des yeux. Alléluia. Que Dieu illumine les autres, les yeux de votre cœur. Et il dit quelque part encore aux Éphésiens, par les renouvellements, que Dieu opère les renouvellements de votre et l'esprit de votre intelligence. Là, que Dieu renouvelle cela. Alléluia. Mes amis, il ne faut pas qu'il y ait de coloquins sauvages dans nos églises. Coloquins sauvages à l'époque d'Élisée était exactement ce qu'à l'époque de Moïse, on appelait le feu étranger. Tu ne peux pas amener le feu étranger dans le corps du Christ. Alléluia. Nous avons vu aujourd'hui, il y a des habitudes, il y a des coutumes, il y a des gens qui ont pris des coutumes païennes pour les amener dans le corps du Christ. Alléluia. Ils font offense, ils font la honte de l'église corps du Christ, par des pratiques de magie, par des pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. Éloignez-vous de ces gens-là. Alléluia. Écoutez l'évangile qui vous sauve.
Ne restez pas juste à côté d'un homme parce qu'il fait sortir les feux de ses doigts. Alléluia. Oh, mes amis, les dragons aussi, il fait sortir les feux de sa bouche, non? Mais est-ce qu'on vous a dit que le dragon, il est l'élu de Dieu? Voilà. Est-ce qu'on vous a dit que le dragon, c'est les anges? Les dragons, c'est l'ennemi. Yes. Mais sa bouche, il y a le feu qui sort aussi. Le diable, c'est un imitateur. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait le coloquin sauvage dans nos maisons. Et c'est Géasi qui était en charge de cela. Alléluia. Il l'a fait rentrer. Et l'homme de Dieu pouvait manger aussi le coloquin sauvage. Amen. À cause de lui. C'est pourquoi il est important, lorsque tu reçois une commission, une charge qu'on te donne à l'église, une mission, il faut l'assurer vraiment de tout ton cœur. Alléluia. Il ne faut pas laisser de portes ouvertes. Et Géasi a laissé une porte ouverte. Troisième erreur. Il a fait rentrer il a laissé une porte ouverte. Sauvage. Pas de porte ouverte, on ferme tout. Il faut le fermer, parce que quand tu le fermes pas, cette même porte se détournera contre toi ça mènera à de la mort. Pas de porte ouverte. Alléluia. Pas de porte ouverte. Alors, pour le brave qui vient de nous rejoindre, merci à vous d'être avec nous ensemble ce soir. Alléluia. Je suis votre serviteur, le pasteur Jean-Marie Lessi, et à côté de moi est assis l'apôtre, l'éléphant, comme je l'appelle, le général, Alléluia. L'homme de Dieu. L'apôtre Kérok, et nous sommes là tous invités et ensemble avec l'évangéliste Alain Bia dans le cadre de notre mission Welcome au Belgium pour l'évangile. Alléluia. Il faut que le feu se répande dans l'Union Européenne. Que Dieu vous bénisse. Et papa, quatrième erreur. Oui. Nous sommes au verset 42, toujours du quatrième chapitre. Donc nous avons pris notre focus, notre message central est dans le livre de Deux Rois, chapitre 4. Voilà, papa. La Bible dit ceci. Un homme arriva de Baal Shisha. Il apportait du pain de prémisse à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et du bleu nouveau dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens qu'ils mangent. Son assistant répondit, c'est-à-dire Géasi, répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de reste. J'adore le verset 44. Alléluia. Il mit alors le pain devant eux, ils mangèrent et ils eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Mais l'Éternel n'a pas parlé, mon frère. C'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui a parlé. Là, il fait l'intérim de l'Éternel lui-même. Voilà. C'est l'homme de Dieu qui a parlé. Come on. Mais la Bible conclut en disant, selon la parole de l'Éternel. De l'Éternel. Et pourtant, c'est l'homme de Dieu qui l'a dit. Oh, yeah. Mon ami, ta foi va transformer ta vie. Ta croyance. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans toutes les religions du monde, il y a toujours un point de ce qu'on appelle l'irrationalité. La religion est basée sur l'irrationalité. On vous dit qu'on va mourir, on va aller au ciel. Pour le savant de ce monde, c'est la folie. Mais pour nous, c'est la réalité. Et notre irrationalité s'appelle la foi. La foi, c'est la folie. Espérant contre toute espérance, Abraham crut 80, il avait déjà dépassé les 90 ans. Fatigué. T'as vu un homme de 90 ans? Fatigué. À la retraite depuis 10 ans, 30 ans, 20 ans. Mais Dieu lui dit, tu seras père de multitude. Oh, mes amis, selon la parole de l'Éternel, mais prononcée par l'homme de Dieu. Quatrième erreur. C'est l'obstruction à la parole de l'homme de Dieu. Obstruction, mes amis. L'opposition même. Opposition. Regardez Géasi. Il était à côté de l'homme de Dieu. Il a tout vu auprès de cet homme. Mais lorsqu'il y avait des centaines de personnes qui devaient manger du pain, et il n'y avait que 5 pains, quelques pains, et on a dit à Géasi, distribuez le pain. Géasi a dit, mais non, papa. Ce miracle ne vous rappelle rien? Mais non, papa. Ça vous rappelle rien? Il y a des centaines de personnes. Quand tu me présentes 5 pains, que dois-je faire avec le 5 pains? Ne fais pas obstruction à la parole de Dieu. Kabo, tu risques d'être pris pour un homme idiot.
Mon ami, Dieu n'est pas un homme. M'abraseya. Dieu est Dieu. Si Dieu dit que 5 est assez, c'est que 5 est assez. Yes. Tu ne vas pas corriger Dieu. Alléluia. En disant, Dieu, ce que tu m'as donné n'est pas assez. Voilà pourquoi on a des voleurs à l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi on a des mentalistes aujourd'hui à la place des prophètes. Au lieu d'être prophète, tu es mentaliste. Tu fais que mentaliser les choses et jouer avec les esprits des gens. Voilà, des réalistes. Oh, reviens à ton premier amour, toi qui me écoute. Crois en Dieu. Dieu est puissant. Papa, Dieu, vous savez quoi, il y a quelque chose pendant que vous parlez. Je vis Esaïe debout. Oh. Et pendant que je vis Esaïe debout, Esaïe me fait montrer quelque chose. Vous savez, dans la foi, en fait, pour moi, je définis la foi comme étant une clé passe-partout. Exactement. Et tout dépendra de la serrure que tu utiliseras. Ben voilà. Et plusieurs personnes, c'est qu'ils l'oublient. Et la Bible est en train de dire, j'aime ça, comment la Bible le dit dans le livre d'Habacouc, la Bible dit que son cœur est enflé d'orgueil, mais le juste vivra par sa propre foi. Voilà. On n'a pas dit que le juste vivra par la foi, mais par sa propre foi. C'est-à-dire la foi que tu dois fabriquer. Non. Parce que ta propre foi à toi détermine la direction que tu peux prendre. Amen. C'est-à-dire ne dois jamais marcher avec une foi commune. Nous croyons que Dieu fera. Non. Je crois. C'est-à-dire la foi, elle est toujours singulière. La foi, elle est toujours particulier. Oui. La foi, elle est pour une personne. C'est-à-dire, là où toi, tu ne vois pas, moi, je vois. C'est pourquoi le jour-là, Jésus a croisé un aveugle. Et cet aveugle était aveugle. Mais la Bible dit que Jésus cracha par terre. Oh, j'aime. Ça, c'est le sacerdoce. Amen. Aujourd'hui, comme on ne parle pas du sacerdoce, je ne rentre pas dans le sacerdoce. Amen. Jésus cracha sur la terre. Et il en fait la bouffe. C'est-à-dire, on est retourné dans Genèse, là où il était en train de former l'homme. Karaboshi. C'est-à-dire, il a pris ces choses, il a pris la boue, il applique l'aveugle, mais il lui dit une chose. Va te laver dans le réservoir de Siloé. Pas n'importe où. Mais papa, est-ce qu'on peut se poser des questions? Ouais. Comment une réservoir, un aveugle peut comprendre qu'ici il y a de l'eau? Alors qu'il était déjà aveugle. Et on a encore empiré la situation en mettant la boue dans les yeux qui ne voit pas. Mais on lui dit, va dans le réservoir de Siloé. Cela veut dire quoi? Celui qui avait dit à l'aveugle, va, il s'appelle le chemin. C'est-à-dire, l'aveugle n'a pas besoin des yeux pour voir, mais il a besoin de se connecter à Christ. Lorsqu'on se connecte à Christ, c'est alors qu'on rentre dans le chemin qui est la vérité, et ça t'amènera à l'élévation. Ah, je prophétise sur ta vie. Va dans le même lieu où on t'a refusé. Voilà. Tu auras ce dont ton cœur a besoin. La même personne qui a dit que tu n'auras pas d'enfant parce qu'on a coupé de trompes. Mais moi, je t'envoie chez celui qui a fabriqué le corps. C'est celui qui maîtrise le corps. Amen. Lui, il a encore des autres adresses pour mettre des enfants Alléluia. En dehors de trompes. Alléluia. Oh Dieu. Il a une autre adresse. Alors ne fais pas obstruction à la parole de Dieu. À la parole ne de Dieu. Ne fais pas obstacle, mon frère, ma soeur. Oh, Rabosho. Ne fais pas obstacle. Ne sois pas là la personne qui va faire obstacle entre Dieu et la personne qui va recevoir le miracle. Alléluia. Alors, cinquième erreur. Cinquième erreur. Écoutez, là maintenant, comme c'est la cinquième erreur, on va au chapitre 5. Alléluia. Chapitre 5. C'est là qu'on va voir le cœur de Géasi. Mon ami, un jour, ton cœur hypocrite, tout le monde le verra. Voilà pourquoi je te demande d'avenir à la repentance, de venir aux eaux pour que tu sois purifié. Parce que l'hypocrisie ne t'amène nulle part. C'est le temps où la parole de Dieu doit être enseignée dans la vérité. Alléluia. Écoutez, le verset 8e. Oui. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, et il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Ça j'aime, ça j'adore. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et s'arrêta
à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoie un messager, comme il avait toujours l'habitude de faire. Élisée avait une particularité, il regardait pas la personne qui est malade, la personne qui a un problème, il se rencontrait pas. Lui, il travaillait juste au son de la voix. C'est pourquoi un jour, je vous parlerai sur le mystère du sept tonnerres. C'est-à-dire, Élisée, c'est un homme de tonnerre, c'est un homme de trompette. C'est-à-dire, lui doit retentir le son, mais le miracle se cache dans le son. Or, le son n'est rien d'autre que la pensée de Dieu, la parole véridique de Dieu. Lorsque quelqu'un entre dans la parole, c'est là où se cache ton miracle. Le mariage, les enfants, la promotion, l'élévation, le diplôme, tout ce que tu connais, le permis, tout ce que tu en as besoin, tu ne peux que le retrouver dans la parole. Car la Bible dit, rien de ce qui existe, existe sans la parole. Tout existe par lui et pour lui. C'est-à-dire, la parole, c'est elle qui a créé toute chose. Et si toute chose existe, c'est pas la parole. Mais suivez très bien. Je suis au verset 9. Naaman fut indigné. Non, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, va, t'es lavé 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné en s'en allant disant, voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera passer la main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux. Le lèpre, oh, de fleuve, de Damas, de Parpa, ne va-t-il mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Voilà, je vais paragrapher. Et la Bible dit ceci, le verset 25. Puis il vint lui-même et se présenta devant son seigneur. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni la trahison ni l'autre. C'est une odeur, c'est un parfum. Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent, de vêtements, des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, de serviteurs et de servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta descendance, quatrième sorti de sa présence avec une lèpre comme la neige. Ça, c'est la cinquième, papa. Cinquième, excusez-moi. Vous pouvez imaginer ces choses. Il y a Naaman qui arrive, un général syrien qu'on respectait, parce que à cette époque, la Syrie a bâti même Israël. Et c'était par le truchement de ces grands généraux, Naaman. Qui a ramené des esclaves. Qui a ramené même des esclaves. Et lorsqu'on ramène des esclaves, parmi les esclaves, il y avait une fille juive qui était dans la maison. Et elle travaillait comme étant une nourrice, une boniche dans la maison de Naaman. Mais ce qui est important et ce que j'aime, tu ne peux pas prendre une femme égyptienne. Israélite, tu ne peux pas prendre une fille juive et tu muselles sa bouche. Non. Les juifs, on ne peut pas museler leur bouche. Le juif parle. Cette fille a compris que je suis en train de faire de lessive. Quand je prends la chemise du patron, je vois toujours qu'il y a de teintés de sang. C'est-à-dire, le patron souffre. Mais maman, je connais un prophète chez nous. S'il vient dans mon pays, alléluia. S'il vient dans mon pays, cet homme-là sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire, cette fille, c'est l'image même de l'église. Je suis en train de dire à une personne, est-ce que tu parles de ton église aux gens? Est-ce que tu parles de ton pasteur aux gens? Il faut écouter ce que dit Apocalypse. Écoutez ce que dit l'Esprit aux églises. Dieu s'adresse à son épouse, l'épouse du Christ. Le Seigneur s'adresse à son épouse, il s'adresse à l'église. Les gens, ils veulent que Dieu leur parle, mais ils n'aiment pas l'église. Alléluia. Ça, c'est un problème, c'est un souci que je n'ai jamais compris. Alléluia. Tu ne peux pas, mon ami, être un chrétien international. Ça n'existe pas, un chrétien international. Il prie dans toutes les églises du monde. En amélioration perpétuelle. C'est pas comme ça. Écoute ce que dit l'Esprit à l'église. Ça, l'église, ça, son épouse. Alléluia. L'homme confie des secrets à son épouse. Alléluia.
Quand tu aimes ta femme, tu es amoureux de ta femme, c'est à ta femme que tu confies des secrets. Alléluia. La fille a dit, si le boss arrivait dans mon pays et qu'il croise le prophète, il sera guéri de sa lèpre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir honorer ton père. Il faut savoir honorer ton église. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des gens qui manquent ces éléments, il s'avère que nos églises aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y a pas de membres. Mais nous oublions, l'apôtre Paul est en train de dire, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile doit être prêché. L'évangile doit être transmis aux gens. Tu dois parler de la part du Seigneur. Tu dois jamais avoir honte de ton pasteur. Amen. Tu dois jamais avoir honte de ton église. Célèbre ton pasteur. Honore ton pasteur. Honore ton père spirituel. Alors j'ai une idée. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Bonne idée. Si toi tu as honte de ton pasteur, va lui dire, pasteur, toi tu me fous la honte. Pasteur, moi j'ai honte de toi et je veux plus être avec toi. Et tu t'en vas. Mais si tu restes, ça s'appelle de l'hypocrisie. Alléluia. À l'église, oh pasteur, oh l'homme de Dieu, oh pasteur. Là, on revient à la première étape de Géasi. Alléluia. C'est-à-dire trop charnel. Tête à terre à terre. Oh pasteur, oh tu es mon père, oh daddy. Voilà. Mais dès qu'il tourne le dos, j'ai honte. Tu l'as compris. Ça sonne. Alors si tu as honte de ton père, va lui dire, mon père, tu me fous de la honte. Ce que tu fais là, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Et quitte cette église-là. Et Élisée, lorsqu'il a appris, parce que le grand problème, Naaman n'a pas frappé la bonne porte. Ouais, il est allé d'abord chez le roi. Il a frappé la porte de la royauté. Et le roi, il a compris, il a cru que c'était un coup d'état. Voilà, quelque chose, en voyant l'armée qui était devant sa porte. Voilà. Il dit, non, mais c'est quoi cette histoire? Depuis quand moi, le roi d'ici, j'ai guéri les gens. Et là, Élisée lui fait dire... C'est comme si je vais dire à quelqu'un. Ouais. En fait, deux fois, lorsque tu es malade, toi, pour toi, la bonne porte, c'est quoi chez le médecin? Deux fois, c'est pas la bonne porte. Ben, oui. Parce que je connais quelqu'un. La Bible parle, un jour, il y avait un homme qui avait son fils et cet enfant avait des crises épileptiques qu'il faisait. Il a appelé deux apôtres qui étaient autour de Jésus pour qu'ils prient au sujet de l'enfant et que l'enfant reçoive la guérison. L'enfant n'a pas pu recevoir la guérison. Et le père était indigné et du coup, il voit Jésus arriver. Le père était dans l'exaltation et dit, Seigneur, j'ai apporté mon enfant chez tes serviteurs, mais ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Vous savez, papa, Jésus, de fois, il réglait des choses. Si c'était dans cette génération et surtout dans ces pays, beaucoup de gens devaient être choqués. Parce qu'il savait choquer aussi Jésus. Jésus retourne d'abord chez les disciples pour dire jusqu'à quand serai-je avec vous, le genre de peu de foi. C'est-à-dire, et après, il va vers le papa. Parce qu'il y a d'autres choses, laissez-moi vous dire. Mes chers amis, avec Dieu, on ne doit pas se cacher. Beaucoup de gens, ils font l'almagame, beaucoup de gens, ils vont se cacher même devant Dieu. Il y a des grandes vérités que tu connais, tu ne parles pas, mais tu viens demander la prière. Mais il faut être humble et dire que j'étais chez un féticheur. Je consultais des médiums et ma situation s'empire. C'est alors que tu verras Dieu opérer dans ta vie. Amen. Jésus pose la question au père de l'enfant. C'est depuis quand que ça fait comme ça? Voilà. On doit d'abord comprendre l'origine. La source. On doit comprendre la source. Et quand papa parle de la source, l'esprit m'amène encore à Jéricho. Lorsque prophète Élisée revenait du Jéricho, la Bible dit que les gens de la ville sont venus le voir pour lui dire que le séjour de la ville est bon. Comme tu le constates, mais l'eau est polluée. Voilà. Et ça crée la mort. On peut pas, on peut pas s'aimer. Oh, Chabra. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire là, l'homme de Dieu? Eh bien, là, Élisée. Au sujet de la source. Élisée l'a dit. Amenez-moi un plat neuf. Caboche. Je vous ai déjà expliqué. Un plat neuf, c'est de nouvelles perspectives. C'est une nouvelle vision. Alléluia. C'est un nouveau départ. Élisée dit, amenez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Le sel, ça donne le goût. Le sel, mes amis, amène du saveur. Alléluia. Il faut qu'on amène le saveur là où il y a la mort. Alléluia. On va amener le saveur là où il n'y a plus l'existence. Mabrasa. Et la Bible me dit, il va à la source d'eau. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il jette le sel. Il dit, il n'en proviendra plus, ni mort, ni sécheresse,
Et jusqu'aujourd'hui, les sources d'eau furent assainies selon la parole de l'Éternel encore. Alléluia. Oh, écoutez-moi, Dieu. Laissez-moi monter ainsi de 2 octaves. Mm. Vous savez, Dieu, dans son amour, papa, vous savez, le sel, il y a un mystère dans le sel. Mm. Lorsque quelqu'un, il fait de pêche comme dans les temps anciens, il a pris de poisson, s'il n'a pas un bon lieu pour le conserver, le poisson va pourrir. Tout à fait. Mais lorsque on place le sel, c'est comme si ça donne encore de la vie. Mais la morue qu'on mange, les Norvégiens jusqu'à aujourd'hui pratiquent cela. Il y a ils que mettent cela. Du sel quand toujours. Quand ils mettent du sel, c'est pour conserver. Conserver, le pouvoir des le conservations. Pouvoir de conservation. Voilà. Et Dieu, dans son amour, il a voulu démontrer maintenant que cet homme d'Élysée, là, il vient de recevoir le manteau, c'est encore fraîche. Et là, maintenant, il doit appliquer ce qu'on appelle la haute spiritualité. Parce que l'eau, c'est ce qui communique la vie. Et quand l'eau communique la mort, c'est-à-dire nous sommes maintenant dans le chamboulement. Mais il faut que l'eau communique la vie. Pour que l'eau communique la vie, il a fallu au prophète de rentrer dans une dimension sacerdotale pour aller dans la source, guérir la source. Et lorsqu'on guérit la source, c'est alors que les résultats vont s'en suivre et les gens verront Dieu à l'exercice. Mais allons voir le 5e erreur. Merci. Et salut les braves. Nous sommes là encore avec l'apôtre Kérok et votre serviteur, le pasteur Jean-Marie Lessie. Et vous qui êtes venez de nous rejoindre, je vous dis bienvenue. Nous parlons des 5 erreurs de Géasi, le serviteur de Élisée, dans le temps ancien, homme de Dieu. Et là, nous parlons de la 5e erreur. Et 5e erreur, c'était quoi? C'était la relation et le contact avec Naaman le Syrien. Et qu'est-ce qui va se passer, papa? Qu'est-ce qui se passe, papa? Cet homme, il reçoit le miracle. Et il apporte le présent. Voilà. Il dit, je dois sceller. Son offrande. Je dois donner. L'offrande. Mais l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Qui sait entendre la voix de Dieu. Il a compris que cette offrande, je ne vais pas le bouffer. Parce que... Voilà. À comprendre que... Son habit là, il y a moto. Moto, déjà, la single position. Quand on habit, quand on boit comme un amas, il y a un peu l'accent à moussous. Donc, c'est pas déjà quelqu'un qui a un cœur pur. Mais le miracle, tu l'as obtenu parce que tu es en Israël. Et en dehors d'Israël, tu es à côté de l'homme de Dieu. Reçois le miracle. Et il a refusé l'offrande. Mais c'est alors que Géasi, le fouineur, Akimi, prophète, Akei, Kolanda, il va chercher Naaman. Il va chercher et Naaman. Lorsqu'il arrive, voilà. De loi, il fait de signe. Naaman était dans son cheval. Heureux. Il était heureux parce qu'il avait la peau comme un enfant. La Bible dit quand il est sorti la 7e fois de l'eau de Jourdain, sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Vraiment, papa, il y a un miracle à vous, mon frère. Peau d'un bébé, as-tu déjà touché la peau d'un bébé? Comment c'est doux, comment ça sent bon. Mais c'est vieil homme. Voilà. Dieu lui a refait la faveur et la grâce. Il a la peau d'un bébé. Parce qu'il a obéi à la parole de l'homme. Alléluia. Je veux que tu puisses obtenir quelque chose aujourd'hui après cet enseignement. Alléluia. Que la vie de Dieu rentre dans ta vie. Amen. Que l'existence de Dieu change ta vie. Et cela au nom de Jésus. Voilà. Et la Géasi commence à faire des gestes. Tout le monde s'arrête. Il s'arrête. Parce que Naaman est venu avec sa suite. C'est-à-dire, si on parle au jour d'aujourd'hui, c'est comme le commandant de ville de Kinshasa. Voilà. C'est-à-dire qu'il vient avec 5 voitures d'escorte et 25 militaires avec des kalachnikovs. Tout à fait. C'est-à-dire pour le sécuriser. Voilà. Parce qu'il était un grand général. Il était et pas n'importe le quel bras général, mais le général qui a accordé la victoire aux Syriens. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, dans le 5e erreur, il y a l'erreur A, il y a l'erreur B et il y a l'erreur C. L'erreur A, c'est le mensonge. Voilà. Quand on vous passe mon Congo, il y a des gens qui sont venus et le prophète m'a envoyé pour que vous donniez les offrandes. C'est comme si Élisée n'est plus un prophète. Dieu ne pouvait pas lui parler que demain tu auras besoin de ceci. Prends. Mais s'il a refusé l'offrande parce qu'il savait que cette offrande-là, c'était pas une offrande
C'était un piège. Il y avait quelque chose de mauvais dans cette offrande-là. Il y avait le sang dans cette offrande. Voilà. Ça, c'est sur la cinquième erreur. Cinquième erreur. Mensonge. A, le mensonge. Et le B. Et le B, c'était quoi? Il a pris les choses. Il est allé dissimuler les choses. Voilà. La dissimulation. Après le mensonge, généralement, ça, c'est les conséquences du péché. Le péché détruit la paix et le péché corrompt l'homme. L'homme, tu es corrompu. Quand ton âme, ton esprit, ton corps est corrompu, tu vas commencer à mentir. Tu vas commencer à dissimuler des choses. Tu vas commencer à mettre des codes sur ton téléphone. Tu vas commencer, quand ça sonne, tu regardes et tu caches. Pourquoi tu caches si tu n'as rien à cacher? Et le cinquième, c'est... Oui. Troisième erreur dans le cinquième. C'était la déloyauté. Il n'était pas loyal envers son maître. Oh, comment tu veux recevoir l'onction? Pas loyal. Comment tu vas recevoir l'onction? Tu recevras rien. Comment tu vas recevoir l'onction, mon ami? Dis-moi, comment tu veux le recevoir? Si tu n'es pas loyal auprès de ton maître, tu ne recevras rien. Comment tu vas le recevoir? Papa, laissez-moi vous dire une chose. Auprès d'un grand, auprès d'un maître, auprès d'un père, on ne cherche pas de choses palpables. On ne cherche pas de choses visibles. Mais on cherche de choses invisibles. Et les choses invisibles, ce sont les choses spirituelles. Ce qui dure. C'est ce qui dure. Ce qui reste. C'est ce qui demeure. Oh, les gens, ils aiment tellement le pouvoir. Voilà. Que le spirituel ne les intéresse plus. Voilà. Que l'éternité ne les intéresse plus. Ils veulent juste tout de suite le pouvoir, la gloire, alors, l'argent. Shabara, hein? Vous ne comprenez pas que c'est un piège du diable qui veut nous détruire. Il veut détruire l'influence que tu peux avoir sur les âmes en t'amenant sur le péché de tout avoir maintenant. Il faut être patient. Et puis, le gars, il vient. C'est, je crois que par ici, on va chuter. Le gars, il arrive auprès du prophète. Le prophète lui pose la question. D'où viens-tu, Géhazi? Ton serviteur, il était allé ni à gauche. Ni à droite. Ni à droite. Il était juste quelque part ici derrière. Alors que le gars a oublié. Qu'il parle. Il était dans la vidéosurveillance prophétique de l'homme de Dieu. Vraiment. Vous savez, autour d'un père, autour d'un homme de Dieu, autour de celui que Dieu a appelé véritablement, le Seigneur Dieu lui donne des yeux partout. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'on parle de quatre êtres vivants, la Bible dit qu'ils ont des yeux partout. Ils ont des yeux à l'intérieur, ils ont des yeux à l'extérieur. C'est-à-dire, dans tout le mouvement qu'il peut faire, il a les yeux partout. C'est pourquoi, auprès d'un homme de Dieu, nous devons rester, nous devons avoir la vérité. Ah, nous devons rester loyal. Nous devons rester auprès de ces hommes comme si un ouvrier qui rougit, il attend de son maître quelque chose. Cet homme-là pensait qu'Élisée sera surpris. Voilà. Ça me fait penser à Judas Iscariote, comme on a commencé. Jésus l'appelle en disant, Judas, vous savez, il dit, quelqu'un parmi vous ici, quelqu'un va me trahir. Alors, c'est qui, maître, c'est qui, moi je t'aime, je peux pas te trahir. Il dit, celui-là qui mettra son pain dans la même soupe que moi va me trahir. Et Judas était à côté de Jésus. Mais comme il avait l'esprit de distraction, il n'a même pas compris. Il n'a rien capté. Et il a pris son pain, il a mis dans la soupe du Seigneur. Et là, le diable est entré. Et le Seigneur le regarde, il dit, Judas, ce que tu as fait, fais-le. Je sais déjà. Fais-le vite et ne fais pas endurer les choses. Fais-le vite. Oh, ça j'aime. Et il sort. Écoutez, la Bible dit que les autres apôtres pensaient que Judas, comme il tenait la bourse, et je me demandais, frère, l'argent qu'ils ont récolté pendant toute tout le ministère de Jésus. Quand Judas est sorti, il a mis où cet argent-là? Il est parti avec la caisse. Et les autres pensaient que puisqu'il détenait la bourse, qu'il est parti acheter la nourriture, une commission. Mais pourtant, il est parti vendre le maître. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus voyait, il savait où il allait. Et là, ceux qui vont venir arrêter le maître, ils posent la question à Judas. Comment saurions-nous que c'est lui? Il dit, c'est lui-là que je veux saluer par un baiser. Pourquoi tu me salues, mon frère? Tu me fais le baiser de Judas? Oh là là, les hypocrites. T'es déloyal dehors, tu rentres, dadi, tu me fais des baisers, des bisous. Voilà. Après m'avoir trahi, tu fais des bisous. Et là,
quand il fait le baiser à Jésus, Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu as trahi le fils de l'homme. Ce que tu as fait, bon, tu l'as fait, tu l'as fait bien et vite. Et là, il a compris que son temps est arrivé. Mes amis, tu penses que Dieu ne te voit pas quand tu fais ces choses-là, mais Dieu te voit. L'esprit d'Élisée n'était pas loin. On l'appelait le voyant. Un voyant, quand tu es voyant, ça signifie quoi? Tu vois tout le temps. Malvoyant, c'est quelqu'un qui ne voit pas tout le temps. Mais lui, il était voyant, il voyait tout le temps. Et c'est sur ce cinquième arrêt qu'on va s'arrêter. Papa, vous savez, quand vous parlez comme ça, je ne peux pas aller vite parce qu'il y a quelque chose que vous venez de soulever qui était très important. Oui, mon frère. Vous savez, Géasi, il arrive chez le prophète, il fait semblant. Mais c'est le semblant. Il se camoufle. Ce n'est pas écrit ici, comme on dit dans la publicité. Ce n'est pas écrit ici. Alors que l'esprit m'amène dans le livre d'Ecclésiaste. Où le sage est en train de dire, il y a quatre choses que je vis sous le soleil qui dépassent ma portée. Ah oui. La trace de l'aigle dans les airs. Ah oui. La trace du rocher, du serpent dans le rocher. Du serpent sur le rocher. Du navire dans la mer. Dans la mer. Il parle la trace de l'homme chez la jeune fille. Ouais. Il dit qu'elle a mangé, elle essuie la bouche et elle dit, je ne point manger. Voilà. Et c'est exactement ce qu'a fait Géasi. Il a dissimulé les affaires. Il revient comme quelqu'un qui est bien. Et lorsque tu es un homme de Dieu, tu es sentimentaliste, tu n'as pas le spirituel en toi, tu vas engager de mauvaises personnes à côté de toi et tu vas repousser de bonnes personnes. Ah, beaucoup de gens. Des personnes qui t'aiment, des personnes qui t'adorent, des personnes qui ont souci de toi, tu vas le repousser parce que tu vas te contempler de la flatterie de gens qui sont autour de toi. Daddy. Je vois, Géasi, c'est un homme de flatterie. Ah ben oui. À chaque fois, l'homme de Dieu, Sakola. Ah, Moutanzambe, Moutaleku, Azati. Il a toujours des serviettes pour te suyer le visage et les chaussures. Il est sur le... Vous savez qu'on appelle ça cirer les pompes et mettre de la pommade. Voilà. L'homme savait mettre la pommade sur le dos d'Élisée. Alléluia. Mais il pensait qu'Élisée était stupide. Élisée n'était pas stupide. Mon esprit n'était pas absent. Amen. Lorsque cet homme est descendu de char et qu'il t'a donné le présent, est-ce pour toi le temps de recevoir le présent, de recevoir les offrandes? Sache-le, la lèpre qui était sur Naaman, je le vois encore sur le Jourdain, au bord du Jourdain. Je l'invite, ça va t'assacher à toi et à ta famille. C'est-à-dire, Géasi, il ne se détruit pas seulement seul, mais il détruit toute une communauté. Il détruit toute une famille. Il détruit toute sa progéniture. Et je suis en train de prier l'Éternel que l'esprit de Géasi sort de l'église. Que l'esprit de Géasi sort dans des amitiés. De que l'esprit de Géasi sort dans la communauté. Que l'esprit de Géasi sort au sein de couples. Parce que dans beaucoup de couples, il y a l'esprit de Géasi. Dans beaucoup d'amitiés, il y a l'esprit de Géasi. Mais que l'Éternel Dieu guérisse cet esprit au sein de l'église. Avant qu'on termine, l'homme de Dieu, il y a un témoignage qui est revenu dans mon esprit. Allez-y, papa. Je connaissais un serviteur de Dieu. J'arrive à Kinshasa, après un séjour en Europe, à 5 heures du matin, je dis bien 5 heures du matin, j'attends quelqu'un qui frappe à ma porte. J'ouvre, je vois ce serviteur de Dieu, pieds nus, avec des babouches sales. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? L'homme est devenu fou. Wow. Vous savez ce qui s'est passé? Allez-y. Cet homme est venu, c'était un étudiant à Lubumbashi. Le Seigneur l'utilisait puissamment. Il est arrivé, nous on faisait déjà le ministère à Kinshasa. Et là, dans son quartier, dans sa cité, là où il prêchait, il y avait un homme qui était dans des loges. Cet homme a entendu l'évangile et il lui dit, homme de Dieu, comment tu as prêché? Dieu m'a mis à cœur, il faut que j'abandonne tout, que je donne tout. Et qu'il faut que tu viennes prier et je vais préparer une offrande pour toi. Et ce serviteur de Dieu est sorti le matin à 5 heures pour aller prier pour cet homme qui était magicien. Au lieu de se faire encadrer par des hommes et des femmes de prière, il est parti seul parce qu'il savait qu'on va lui donner l'offrande, sinon il va partager avec d'autres personnes. Il est allé, il a prié et cet homme a sorti une mallette avec de montres en or, de bijoux, des trucs. Il lui dit... Tout ce que tu vois là-dedans, ça m'a été donné par le monde des ténèbres. Je vais te les donner. Et voilà une enveloppe remplie de dollars. C'est pour toi, c'est ton offrande. Vous m'entendez toujours, mes amis. Très bien. Et il a pris cela.
Il est revenu chez lui. 48 heures après, il est devenu fou. Il a perdu sa raison. Mon ami, les biens de ce monde peuvent nous trahir. Voilà Gehazi où il est arrivé. Je ne veux pas que tu sois le nouveau Gehazi d'aujourd'hui. Voilà pourquoi on a terminé notre enseignement et je vais demander à l'apôtre de prier. Et après, on va dire un petit mot de revoir. Écoutez, avant que je prie, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Oui. Le ciel est mobilisé pendant que je parle. Je vois le ciel ouvert. Il a plu au Seigneur de faire du bien à un homme, à une femme, ce soir. Tu pouvais passer, tu pouvais être occupé dans d'autres choses. Tu ne pouvais même pas regarder cette vidéo. Si tu les regardes, c'est parce que c'est Dieu qui t'a attiré. Amen. Et pourquoi il t'a attiré? Parce qu'il veut donner la solution à ce problème qui a perduré, Amen. à ce problème qui est resté longtemps dans ta vie. Amen. Le Seigneur veut éclater sa gloire ce soir et il veut étendre sa main puissante et Amen. agissante. Amen. Et je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé où le ciel veut maintenant t'indemniser. Tu es resté longtemps dans la chose de Dieu. Pendant que plusieurs personnes se réjouissaient La et récompense donnaient le arrive. témoignage, ils ont vu ces choses. Toi, tu n'as rien vu. Et tu t'es posé la question, jusqu'à quand le Seigneur Dieu, tu tourneras les regards vers moi? Mais ce soir, le Seigneur a tourné son regard vers toi. Et Amen. je suis en train d'ordonner que la richesse de la mer, que la richesse des océans, du forêt, que cela se tourne vers toi et que tu reçoives la visitation divine au nom de Au Jésus. nom de Jésus, Cette Arabashikiri. maladie que la médecine a Oh Dieu, échoué, merci cette Seigneur. maladie que la médecine a dit, Merci c'est Seigneur. incurable. Merci Seigneur. J'ordonne au Au nom de son de Jésus. ma voix Au nom de que le Jésus. miracle de Au Dieu nom de rentre Jésus. dans ton corps Au nom et de que l'Éternel Jésus. Au stabilise nom de le taux Jésus. de sucre Au nom par de rapport Jésus. à cette maladie Au de nom de Jésus. diabète qui est Merci. en train de te ronger. Regardez Au nom de Jésus. ton père. On a dit il lui reste quelques jours à cause du cancer. Mais laissez-moi te dire, la Bible en moi est en Oh, train de alléluia. dire, Oui. il est le Dieu qui nous guérit de toute maladie et de Alléluia. toute infirmité. Merci C'est Seigneur. sur la croix qu'il s'est chargé de nos douleurs. C'est sur la croix qu'il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Aujourd'hui, il est en train d'accorder la guérison dans la vie de ton Guérison père. au nom de Il est en Jésus. train de guérir et je Au vois nom toute de Jésus. personne qui est en Merci train de me Seigneur. suivre, tous Merci. les cancéreux qui sont en train de me suivre. Merci Je suis en Papa. train de te dire que la meilleure thérapie, c'est Merci le Seigneur. nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. La Bible dit par le nom de Au Jésus, nom de tout Jésus. genou fléchisse et toute langue confesse Au que nom de Jésus. Jésus-Christ est Au Seigneur à nom de la gloire du Dieu le Jésus. Père. J'ordonne au miracle Alléluia. de devenir ton partenaire. Que Alléluia. l'Éternel te fasse rentrer dans la Alléluia. saison d'excellence, dans la Alléluia. saison où tu dois Merci Seigneur. récolter tout ce que Merci tu as pu Seigneur. semer. Et que mon Dieu te donne encore le goût du royaume Merci et qu'il Seigneur. ramène ton cœur vers l'amour premier que tu avais de Jésus. Et que rien ne puisse venir te branler. Merci Que tu Seigneur. sois affectionné dans Au la nom chose de de Dieu Jésus. et que le Saint-Esprit de Merci Dieu vient Seigneur. faire le contrôle de ta vie. Au nom Je de Jésus. chasse l'esprit de distraction. Au nom Je de Jésus. chasse l'esprit de mensonge. Au nom Je de Jésus. chasse l'esprit de Au nom de Jésus. non-obtempération à Merci. l'ordre de l'homme de Dieu. Au Je nom de Jésus. chasse Au nom l'esprit de du Jésus. désordre. Au Je nom de chasse Jésus. l'esprit de Au nom de malheur, de Jésus. deuil dans ta vie. Et revêt-toi des habits de fête, Au car nom de ton Jésus. Rédempteur et Au ton nom de époux, Jésus. il t'aime et il a de grandes choses à faire Au avec toi. nom de C'est dans le Jésus. nom précieux de Jésus-Christ Alléluia. que je prie avec foi. Oh, Et tous oui. ensemble, nous disons trois fois Amen. Come on. Amen. 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 Gloire Oh, au merci Seigneur. Seigneur. Alors les braves, on vous dit au revoir. Au revoir. Alléluia. Demain, on vous donne rendez-vous ici même dans notre studio. On Yes. vous donne rendez-vous demain. Et demain, on va vous amener un message intitulé Marie a choisi la bonne part. C'est la phrase du Seigneur. Yes. Marie a choisi la bonne part. Donc nous sommes pratiquement à la fin de nos vacances d'été, la fin de notre retraite spirituelle ici dans ce Alléluia. beau cadre au château de Méry dans l'Île-de-France. Et nous vous disons merci. Papa, tu veux saluer et remercier quelqu'un? Oh, laissez-moi remercier ceux qui ont prié avec nous. Amen. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient Voilà, sur et vous. courage pour demain à Laissez-moi revenir. bénir mon épouse Nadine Aguakero, que la Amen. grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Laissez-moi bénir Zozo Moutins, que la grâce de Dieu soit sur toi. Laissez-moi bénir maman
Brigitte Lita, que la grâce du Seigneur soit sur vous. La Caviar, Marques, Nadine Mateta, soyez bénis. Alexandre Soumbo, soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Julienne Salasifa depuis Anvers. Que le Seigneur bénisse Candy, que le Seigneur bénisse Grâce, que le Seigneur bénisse Ketia, que le Seigneur bénisse Israël, King, Ézéchiel, Ange Michel, Ange, soyez bénis, que la faveur de l'Éternel vous couvre encore. Maman Chantal a fait, soyez bénis, que la faveur de Dieu soit sur vous. Et on se dit, le grand rendez-vous sacré à demain, à ne pas oublier. Voilà, on sera sur ce même studio. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à papa Joe Lukumu, maman Nicole Lessi, que Dieu vous bénisse, à ma caméraman préférée, camerawoman, Ketia Lessi, qui était au moyen technique, et tous ceux qui nous ont suivis, maman Brigitte Lita, que Dieu vous bénisse aussi. Alléluia. Alors, on va dire un grand merci à l'évangéliste Jack de Bruxelles, Alain Bia. Que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que Bishop Wetchika Dima, l'homme de Bruxelles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, à l'évangéliste Roger Lessi, à Bruxelles aussi, et maman Francine, que la gloire de Dieu soit sur vous. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Ciao, ciao.